Alors, j'ai eu le néné, il sait pas où est le plan d'eau. Ah, il est pas arrivé, il est pas là. Non, non, il a pas voulu venir avec toi. C'est nouveau truc, c'est nouveau. Vous êtes motivé? Ah, on est chaud. Allez, je vous suis. Roulez pas trop vite, hein. Alors, poussez-vous, monsieur, s'il vous plaît. On voudrait inspecter le matériel. Le bordel. S'il vous plaît. Mais non, c'est pas le bordel. Attends, vous arrivez, ça va pas être le bordel. Il est bien rangé. Monsieur Kousmina, êtes-vous responsable du rangement du camion? Est-ce que c'est vous le responsable non. Maintenant? Si, si, tu fais coller là, on peut pas ouvrir la porte. C'est un 58. Monsieur Kousmina, la recette gagnante du jour, explosive. Et le sac secret, c'est quoi? Terre de Somme. Merde, vous avez pas un autre secret? Non. Ça va faire ridicule. Ouais, tant pis, désolé. Il n'y a pas un autre secret? Tout pour aujourd'hui. Monsieur Bruant, vous êtes responsable des boîtes. Est-ce qu'elles sont bien rangées, vos boîtes? Oui, oui. Bah là, ça va. Ça va aujourd'hui. C'est rare. Ça. C'est le début d'année, je vais aller laver. Bon, essayez de me trouver un autre secret. Vous avez pas une poudre blanche? Mettez un peu, je sais pas, de talc ou de trucs comme ça pour faire semblant. J'étais sûr que t'allais filmer ta verre. De toute façon. Allez, regarde l'esclave. Allez, vas-y. L'Égypte revient en force avec les esclaves. Voilà les pharaons. Alors, les pharaons sont là. Non, il est là. Il a la photo des fois. Hein. C'est et pas après, ce qu'on croit. C'est ça sur internet. 6 ou 7. Ensuite, donc moi j'ai pris un B12. Donc depuis ici. Donc. Accès buvette. Donc avec le 1. Et Johan et René, il a pris un bon numéro a priori. Tout le monde s'est marré quand il a pris le numéro. Doping. Un A11 accès passerelle. Désolé. D'accord. Bon, est-ce qu'on va aller battre les... C'est pas ça qu'il faut prendre, faut est-ce qu'on va aller battre les gamins du 28 ou pas? Pour la pêche. On va aller battre les gamins du 28? Je sais pas. Mais il va croire que la pêche est facile. En plus, et quand on a une grande gueule, faut bien que ça serve à quelque chose. Ah, ouais. Alors, monsieur le responsable de la FFPSC, il y a un choix technique. Vous avez l'habitude des stratégies pour cette équipe que vous avez menée au championnat du monde, victorieuse, ça fait 2 ans. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment faire pour sélectionner et les gardons et les plaquettes dans ce concours de Châteauroux? C'est facile. Oui, tu mets un paquet de gardons, un paquet de brèmes, et puis les bordels, ils trient. Les bordels trient. Bah, voilà. À mon avis, monsieur, peut-être que vous avez abusé sur le rosé pamplemousse. La pêche au canard. Superbe plan d'eau. C'est magnifique. Superbe. Pêcheur tout le tour. Une île au milieu. Et voilà mon secteur. Alors voilà, quelques kits de montée. Avec quelques flotteurs. Montée de... 0,20 à 0,80 et une boîte d'hameçon prête avec des tout petits hameçons montés de ce matin, une petite boîte de ligne là, un coach, moi qu'on se partage à 4 hein, parce qu'on peut pas le supporter hein, tout seul, qui va servir de caméraman, un assistant caméraman qui surveille le barbecue parce qu'ils vont se relayer à 2, voilà. Et puis un rouleau qui va bientôt sentir la fumée. Alors mon assistant, je vous confie ma caméra. Ça l'a bien gardé au frein, la lombe. Un petit bricolage maison. Et c'est parti pour 4 heures de pêche. Le secret de Thierry. Ah, cartonné, discret dans ces arbres. Tu taquines quelques poissons? Des poissons, Jérôme, là-bas? Quelques-uns. Gardons? Mais vraiment quelques-uns. Oui, des petits gardons.
cartonné en euphorie. Ça compte quand même. Bon, bah, je vais vous toucher la bouche. Ça rigole pas là, Jérôme. Eh non, faut pas rigoler, c'est pour le Jérôme. Hein. Ça va être diabolique. Bon. T'as sent bien cette pêche, Olivier? Ça sent bien, il fait beau, on est samedi. Eh ben, c'est bien. Et des plaquettes dans le bruit. C'est ce qu'il faut. Alors, René, t'as mis la bonne amorce? Ça va mal, hein. Comment ça va mal? Ah, c'est pas tous les jours la fête, hein? Et non. Et Léo, comment il va? Ah, ça va moyen aussi. Et son collègue. Est-ce qu'il est à côté du Jean? Ouais. Il mène. Bon, je pense que c'est Jean, mais bon, je sais pas trop, je sais pas. Mais de toute façon, le Thierry, ça doit aller. Et Jérôme aussi? Un bisou. Bah, c'était faute de date sur le mois d'avril. L'avantage que l'on a, c'est qu'on n'a pas pris trop de chats. Mais bon, quand les chats ne montent pas, il y a quand même des secteurs qui sont très difficiles. Donc l'année prochaine, on verra. Peut-être qu'on maintiendra cette date-là quand même. Mais là, bon, c'est vrai qu'on a quand même une journée extraordinaire avec soleil et puis... pas trop de fraîcheur par matin, mais bon. Merci à ceux qui sont venus de loin. 13 équipes, comme vous pouvez le constater, sur le plan d'eau, bah, ça va être à mon avis limite. Maintenant, je me bats souvent sur 21 équipes, mais je pense que l'année prochaine, on arrêtera à 16, quoi qu'il arrive. Parce qu'après, de toute façon, après, ça nous force à aller pêcher sur d'autres parcours qui sont beaucoup moins intéressants. Alors, premier. Avec 9 points à égalité avec les seconds, donc départagés au poids total, les Diables Noirs. Ouais! 790. Ah, ils sont forts. Merci à vous. Deuxième. Vous êtes qualifiés, hein, les Diables Noirs. Ouais, c'est bon. Deuxième, Mea Pêche Compétition. Bon, encore une camion. 730. Ah, l'autre. Et moi, vous pouvez pas me faire un bisou? La saison. Bah, c'était une faute de date sur le mois d'avril. L'avantage que l'on a, c'est qu'on n'a pas pris trop de chats. Mais bon, quand les chats ne montent pas, il y a quand même des secteurs qui sont très difficiles. Donc l'année prochaine, on verra. Peut-être qu'on maintiendra cette date-là quand même. Mais là, bon, c'est vrai qu'on a quand même une journée extraordinaire avec soleil et puis pas trop de fraîcheur par matin. Mais bon. Merci à ceux qui sont venus de loin. 13 équipes, comme vous pouvez le constater sur le plan d'eau, bah, ça va être à mon avis limite. Maintenant, je me bats souvent sur 21 équipes, mais je pense que l'année prochaine, on arrêtera à 16, quoi qu'il arrive. Parce qu'après, de toute façon, après, ça nous force à aller pêcher sur d'autres parcours qui sont beaucoup moins intéressants. Alors, premier, avec 9 points à égalité avec les seconds, donc départagés au poids total, les Diables Noirs. Ouais! 790. Ah, ils sont forts. Deuxième, vous êtes qualifiés, hein, les Diables. Ouais, c'est bon. Deuxième, Mea Pêche Compétition. Bon, encore une camion. En pièces. Voilà. Ah, l'autre. Et moi, vous pouvez pas me faire un bisou? Quand tu fais fort, c'est toujours bien, ça. Ça merde un peu, mais ça passe derrière. Bon, allez. Alors, demain, toi, tu vas pêcher au chêne, t'as amené tes canandaises. Il faudra amorcer. Il y a des gardons à faire sous la table et t'amorcer. Après, Daniel. Allez, demain Mâcon. Demain Mâcon, allez. Allez, demain Mâcon. Allez, demain Mâcon.
Demain, Macron, allez.